Ah, Paulette, je suis outrée de venir qui j'ai vu hier. Eh, je ne sais pas. Mais enfin, Paulette, si, vous l'avez forcément croisée. Elle sillonne le quartier avec ses mille coupeurs roses. Enfin, Chantal, calmez-vous. Vous êtes dans tous vos états. Je ne vois pas de qui vous voulez pas. La mini coupeur rose. Oui. Oh, la professeure de gymnastique. Elle est revenue. Elle s'appelait comment déjà, celle-là? Je loue de Mila par cœur. Enfin, Paulette, nos toutes dernières victimes. Je viens de la voir là. Elle sortait de chez le coiffeur, rue du Bon Roi de Glaubert. Fringante, souriante, avec un décolleté odieusement moulant. On y voyait tous les tétons. Oh, oh. Ah, comme vous dites. Oh. Ah, je me suis dit exactement la même chose. Elle est culottée. Ah oui, surtout des culottées, permettez-moi de vous le dire. En mini-jupe et tout et tout. Je pense que c'est une arrogante et une sotte. Après les lettres anonymes que nous lui avons envoyées il y a 6 mois, c'était bien il y a 6 mois. Je croyais vraiment qu'elle aurait quitté le quartier, qu'elle serait retournée dans son pays de sauvage. Nous avons été trop tendres avec elle. Mais nous lui reprochons quoi déjà celle-là? Enfin, Paulette, les cours de Zumba, la musique si fort, et toutes ces femmes en juste corps dégoulinant de sueur et de lubricité. Ah oui. C'est indécent dans notre quartier. Oui. Ah, je n'ai plus toute ma tête. Nous étions si tranquilles sans elle. Ah, il va falloir tout recommencer. C'est pas faux. Mais j'ai un plan, comme vous pouvez imaginer. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier, beaucoup. Tout en finissant le gilet pour les 6 ans de votre petit-fils Jean Stanley. Ça me détend toujours. Ah oui, le tricot. Et il n'y a pas mieux pour se détendre. Et oh, c'était pas le temps. Ah, à part la broderie, peut-être. Vous avez des nouvelles récentes de ce cher petit ange, d'ailleurs? Oui. Ma fille m'a appelé hier pour préparer l'anniversaire, justement. Ah. Et Jean Stanley en a profité pour me dire quelques mots. Oh. Vous savez quel adorable surnom il m'a donné? Non. Mamie Morora. Oh. C'est chou. Oh. Il a du mal à articuler, c'est dur pour lui. Ah, oui, alors ça donne Mamie Momomo. Momomo. De quoi parlions-nous? Ah oui, Ludmila. Ah oui, vous avez raison, Chantal. C'est très certainement une sotte. Elle a osé revenir, cette pimbèche américaine. Elle nous défie. Moi, je suis pour une solution définitive. Nous avons été beaucoup trop douces et patientes avec nos lettres anonymes et nos menaces. Il est temps de passer au plan B, de sortir la grosse artillerie. Ah, Paulette, je reconnais là bien votre enthousiasme. Je ne saurais que trop vous tempérer. Figurez-vous que j'ai pensé à quelque chose qui augmenterait la tension d'un cran par rapport aux lettres et qui en plus nous permettra de nous réjouir en direct de son agonie. C'est pas faux. Mais faites-moi confiance, vous êtes les bras, je suis la tête. Souvenez-vous, j'ai mené toute l'affaire concernant Bernabé, feu votre époux. Et qu'à ce jour, vous avez pu hériter d'une jolie somme rondelette. Et ce, en toute discrétion. C'est vrai. Et c'est une drôle affaire, finalement. Oh. Et dire que vous vouliez finir ce pauvre homme au tisonnier après 43 ans de mariage. Je vous rappelle que vous n'avez que ça sous la main. Oh. Et que vous aviez 10 minutes de retard sur l'horaire. Oh. J'ai horreur de l'inaction. Bien finir la besogne. Le poison n'en finissait pas d'agir. Et Barnabé bavait de manière grotesque. Il râlait. Oh, je n'en pouvais plus. Alors,
un bon coup de tisonnier et l'affaire a été réglée. C'est aussi un dieu comme je m'en veux d'être arrivé en retard ce jour-là. Une faute peut être professionnelle. Si, je m'en veux terriblement. Il ne faut pas ressasser les mauvais souvenirs. Oh, c'est pas faux. De quoi parlons-nous? Ludmila. Ludmila. Oui, très bien. Voici ce à quoi j'ai pensé avant de sortir l'artillerie lourde, comme vous disiez. Vous vous souvenez de ce petit cercueil à poupée que vous avez fabriqué pour votre nièce? Comment s'appelle-t-elle déjà? Celle qui fait du vaudou aux Antilles. Oui, Solange, oui. Elle est revenue en France, d'ailleurs. Ah, oui, voilà, Solange. Et vous l'avez toujours? Oh, mais je ne sais pas, hein. Faut que je cherche. Mais il me semble que quand nous avions incendié l'appartement de vos parents pour la petite assurance, nous avions utilisé tout le petit bois disponible. Il en faisait partie. Ah oui, peut-être. Oh, c'est dommage, il était très joli. Et puis j'avais une idée pour cette Ludmila, avec des hamburgers empoisonnés dedans. Elle les aurait mangés à coup sûr. Bon, laissez-moi réfléchir. On peut trouver une boîte quelque part sur l'Internet. Règle numéro 1, ne jamais laisser de traces. Règle numéro 2, être autonome sur toute la ligne. Oui, mais par correspondance, non? Non, je ne préfère pas. Il faut trouver autre chose. Vous réfléchissez encore ou je peux proposer quelque chose d'autre que le cercueil? Je vous écoute avec plaisir, ma chère. Eh bien, vous vous souvenez qu'avant que nous lui envoyions nos lettres anonymes et nos menaces, elle s'était mise en tête de passer son brevet secours de cette Ludmila pour sauver les gens de la mort. Oh, sauver les gens de la mort. Mais quelle idée stupide. C'est une arrogante, oui. Elle voulait surtout faire du bouche à bouche à toute la gente masculine, cette petite allumeuse, oui. C'est certain. Eh bien, j'ai pensé. Nous pourrions lui faire parvenir un mannequin. Vous savez, ces mannequins qu'ils utilisent pour exercer la respiration artificielle. Eh bien, j'ai récemment concocté une mixture inodore, incolore et terriblement efficace. Oh, ouais. Donc on ne peut trouver trace dans le sang que si l'on recherche précisément cette molécule. Il est probable de la chlorodrine parasite à Paulette. Quelque chose que j'ai inventé. Oh, mais c'est très bien trouvé, ça, Paulette. On pourrait en enduire les lèvres du mannequin. Oh, oui, très bien trouvé. En effet, quand vous parlez d'artillerie lourde. Mais ce mannequin, vous le trouvez où? Par correspondance? On a dit non. Non, mais chez moi, dans mon grenier, il y en a un vieux qui traîne dans le bardage partagé. Oui, c'est très bien ça. Laissez-moi réfléchir à sa convivialité. Oh. Oui, pour Ludmila, essayons cette histoire de mannequin. Nous pouvons le laisser dans la porte de sa salle avec un petit mot innocent du genre « de la part d'un admirateur qui se meurt d'amour ». Et nous pourrions rajouter « embrassez-moi et il y aura une surprise ». Oh, mamie Morora, c'est tellement chou, ça vous va si bien. Ah oui, regardez. Ah, il est mignon ce petit gilet que j'ai pas, j'en sais rien, vous ne trouvez pas? Regardez, et j'ai enfin trouvé les boutons de tête de mère. Oh, adorable. Oh, vous êtes délicieuse. Ah, au fait, j'y pense. Je vous ai apporté le poil à gratter que vous m'aviez demandé. C'est une nouvelle recette. Les poils sont totalement transparents. Voilà. On verra bien si Jean Stanley arrive à se gratter entre les omoplates. Oh. À 6 ans, ils sont encore un peu paletots. Oh oui! Oh, c'est parfait! C'est bien, à 16 heures, dimanche, son anniversaire. Et il y aura votre gendre aussi, le grand Nigo. Comment s'appelle-t-il déjà? Steve. Oui, il sera là. Oui. Je me demande comment ma fille a pu l'épouser. Oh,
Il est d'une prétention, d'une platitude. Oh, c'est boursicoteur de Wall Street. Mais bon, il y a un appartement sur Central Park. Et une assurance vie. Parce que ma fille, comme ça, hein, bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai pensé, mon adversaire, j'amène son gâteau préféré de ce style. Un cheesecake amélioré. Si vous voyez ce que je veux dire. Avec un glaçage à la popote. Oh. Ah mais vous ne m'en voudrez pas. Non, mais ça me permettra de surtout de tester cette nouvelle molécule. Ah, c'est pas ce que je pensais, peut-être. Ben, vous ne m'en voudrez pas, mais je n'en mangerai pas. Ne vous inquiétez pas. Il y aura l'antidote dans l'esprit d'un autre vie. Oh, vous avez pensé à tout, Paulette. J'y vais plus. J'arrête. C'est trop dur, la Zumba. Ah, moi aussi, j'arrête. Elle est folle, cette Ludmilla, à lui pousser comme ça. Du cardio. Oh, je crois que j'ai passé l'âge. Personnellement, même si je suis moins âgée que toi, Florence, et même si papa et maman m'ont toujours encouragée à entraîner le corps et l'esprit dès mon plus jeune âge, là, j'avoue que j'accuse aussi une grosse fatigue après les séances. Cette américaine envoie le bois, comme disent les jeunes. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle abuse des protéines. Vous ne la trouvez pas très très musclée? Pourquoi on n'a pas continué à faire du pilates? C'était bien le pilates. Paris-Delphine s'endormait tout le temps. Ah, mais moi j'ai trouvé ça très très sympathique cette pratique, hein. Il est vrai que j'avais tendance à m'assoupir quelque peu. Mais bon, c'est surtout l'instructeur. Et Brigitte, que cela dérangeait, si mes souvenirs sont bons. Tu ronflais. Ça dérangeait tout le monde. Et puis, comme tu as tendance à baver, il fallait nettoyer les ballons. Flo, ma chère, il y a des gens qui sont payés pour ça. Dans ma famille, on a toujours eu on des gens... On connaît ta famille, Marie-Delphine, tu nous fais le topo à chaque fois. D'accord, Brigitte, d'accord. Et puis là, le nettoyage, c'était le prof qui le faisait. C'est dommage. Je l'aimais bien, ce prof de pilates. C'était bien de pouvoir parler avec un homme doux qui s'occupe de lui, qui prend soin de son corps et qui sait faire la cuisine. Et qui vit seul avec sa mère. Oui, bon, personne n'est parfait. Hein. C'est vrai que la fois il m'a invité chez lui, ça m'a fait tout bizarre. Je le voyais pas vieux garçon comme ça, avec ses muscles et tout. Mais maintenant, avec le recul, je trouve ça mignon. J'aimerais bien faire du pilates, moi. Ah non, Brigitte, non, le pilates, on a dit non. Et on a dit qu'on faisait équipe à trois jusqu'au bout. Sinon, ça va faire comme l'année dernière. Si on ne se motive pas et qu'on n'y va pas en troupeau, on va abandonner. Flo, j'aurais dit groupe, pas troupeau. C'est plus approprié pour les humains. Ou bien y aller en force ou en bande à la rigueur, quoique pour des individus de sexe féminin. Oh, Marcel, j'essaye juste de relever le niveau. On pourrait peut-être essayer l'aquagym. Oh non, ça fait la peau toute molle. C'est pas très saillant, comme dirait Marie-Delphine.
et la gente masculine n'y est pas assez représentée. Bon, tu ne penses qu'à draguer, toi? Ah non, non, tu n'y es pas du tout, ma chère. Je dis ça parce que notre Bribri aime bien quand il y a du mal. Pour ma part, je trouve que dans toute pratique sportive, il est important qu'une saine émulation se produise. Et pour ceci, les deux sexes doivent être représentés à parts égales. Ben oui, j'aime bien. Moi, les plans entre des nettes à se comparer la couleur du rouge à ongles, non merci. Mais à part la muscu et le rugby, je vois pas trop où on peut en croiser. Du mal. La musculation? Quelle vulgarité! Ça sent beaucoup trop fort dans ces lieux, je n'y mettrai jamais les pieds. Et le yoga, on pourrait peut-être essayer le yoga? Oh oui! J'ai vu des vidéos. Les mecs qui en font un corps sublime. Et puis, j'ai besoin d'autre chose maintenant. Je le sens. D'élévation spirituelle. De me connecter avec le grand tout. Eh ben, tu passes vite fait du coq à l'âne, toi. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu disais vouloir rencontrer des hommes, du mal. Et puis, tout à coup, comme ça, spiritualité, connexion au grand tout. Ah, mais c'est très clair. Notre Brigitte veut se brancher avec le premier truc venu. Peu importe si c'est le grand tout ou un homme. Marie-Dève, tu as dit truc? Marie-Dève, tu me juges tout le temps. Je ne te juge pas, ma Bribri. Je note les faits de manière pragmatique. Et j'ai l'impression que, comme d'habitude, cela te dérange d'avoir un miroir implacable en face de toi. Marie-Dève, tu as dit truc? T'es limite vulgaire pour toi, non? Oui, j'ai dit truc. Et je le redis. Truc, truc, truc. Moi aussi, je sais être triviale quand on me pousse dans mes limites. C'est-à-dire que j'ai pas trop compris les limites qu'on aurait dépassées. Mais c'est vrai que je sens une petite tension régulière entre vous deux, mais... Faut pas se laisser abattre, les filles. Je pense que la Zumba d'aujourd'hui nous a épuisées. Si on se redisait pourquoi on veut faire du sport, histoire de ressouder l'équipe. Hein, les filles? Ok, je commence. Je veux me remettre à faire du sport parce que c'est important pour moi d'entretenir mon corps. Et puis, j'ai ces quelques kilos à perdre, là. C'est vrai, tu as un peu farci ces derniers mois. Et puis, quand je bouge et que je transpire, je me sens mieux dans ma tête. Florence, ma chère, tout ce que tu viens de dire est d'une affligeante banalité, tu sais. Marie-Dève, tu me cherches, là. J'essaye de faire de l'humour. Bon, allez, à toi, Brigitte. Fais-nous rêver. Parle-nous de tes élévations spirituelles. Pour moi, maintenant, c'est très clair. Oui, je veux rencontrer un homme. Ça fait 3 ans que Tutu m'a plaquée. J'ai l'impression d'être une moins que rien. Déjà oui, Marie-Dève, je me sens mieux après les séances, comme Flo. Même si ça te défrise. On ne peut pas toujours être habité par la noblesse et la pureté de tes incroyables aspirations. Et puis, j'aimerais que le contact humain quotidien que j'ai ne soit pas seulement mon ventre qui touche mes cuisses quand je m'assois. J'aimerais être caressée, faire des petits plats à quelqu'un qui compte pour moi. Je sais, c'est très basique, Marie-Dève. Tu me juges tout le temps. Mais tout le monde n'éprouve pas de la sensualité comme toi à lire l'encyclopédie et à contempler une armoire remplie de cailloux. Alors, ce ne sont pas les cailloux. Mais des pierres semi-précieuses, des cristaux de roche et des fragments de météorites. Et certains peuvent être d'un commerce tout à fait agréable quand on comprend le langage des astres. Et puis, cela coûte moins cher qu'un animal de compagnie à l'entretien. Et je pense que l'on peut mettre les hommes dans cette catégorie, non? Oh, c'est de l'humour, Bribri. C'est de l'humour, Bribri. Bon, allez, à moi. Eh bien, moi, je veux faire du sport. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'à part le tennis et le golf, je ne vois pas autre chose que l'on puisse appeler sport. Ah, suis-je bête? J'ai une idée d'une nouvelle activité. Le polo? Ah, mes chers amis, voilà une piste que nous n'avons pas encore envisagée. Le polo! Marie-Dève, ça fait 3 fois que tu nous fais le coup du polo, comme si c'était la révélation du jour. Je te rappelle que déjà, uniquement au niveau des sous... Tu sais... Cette chose que ta famille avait en abondance avant la faillite de ton père. Brigitte,
Il y a des choses qui sont sacrées dans la vie, et la famille en est une. Mon père est décédé dans la dignité. Il a su mettre fin à ses jours comme un gentilhomme lorsque le manoir a été vendu. Je ne te donne pas le droit de nous juger. Évidemment, quand on est issu comme toi de petites gens de basse extraction qui se roulent dans la fange de leur yourte mongole ivre du matin au soir, la famille, ça ne peut rien dire. Peut-être même contre vous, vous. Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Pardon ? Pardon ? Et vous les aristos, vous n'êtes pas tous des consanguins par hasard ? On va vous marier entre vous pour conserver la pureté du sang. On te supporte avec tes grands airs. Tu as fait des pieds et des mains pour constituer ce trio de copines. Tu voulais être comme tout le monde, tu disais. Mais tu n'arrêtes pas de nous jeter à la gueule ton pédigré de fin de race. Brigitte n'a pas complètement tort. Ah mais c'est ça ! Allez-y ! Flagellez-moi sur la place publique ! Défoulez-vous sur moi ! J'ai l'habitude, va ! Vous savez très bien que j'ai plus de vocabulaire que vous, plus de goût que vous, plus d'esprit que vous. Vous n'êtes que des jalouses, des ingrates, des petites péronnelles. Marie-Dève, c'est vrai que tu t'exprimes bien. Mais si tu pouvais corriger nos erreurs, avec un peu plus de bienveillance, de délicatesse, un peu moins de comment on dit déjà ? De authenté. Mais c'est intéressant ça, Brigitte. Et comment l'écris-tu ? Authenté. Je ne l'écris pas. Je te le crache à la gueule. Tu sais ce que tu dis, ma yourte mongole ? Une yourte mongole n'a pas vocation à s'exprimer, car ça n'est pas une personne. Mais, comme le disait mon passant à Flaubert, il est parfois bon que les objets aussi aient une âme, pour affirmer le ressort dramatique. Et à ce titre, je te rejoins, Brigitte. Merci. Bon. Puisque notre trio a retrouvé son harmonie, si on se repenchait sur cette histoire de sport, ok ? Ok, alors, revoyons nos motivations, je suis sûre qu'on va réussir à trouver quelque chose. Alors, on avait dit, il nous faut quelque chose de simple, d'efficace, de pas loin de chez nous, qui nous fasse travailler les abdos, le cardio, la souplesse, qui nous muscle, qui nous fasse rencontrer des gens, des hommes, et que les deux sexes soient représentés en proportion équitable. Et pas trop cher. La baise ? La baise ? Oh bah oui ! Bravo ! Je t'ai parlé de ma copine de cuisine, Lunula Parker. Elle est géniale. Elle a écrit ce bouquin. Il y a plein de recettes faciles et délicieuses. D'ailleurs, le livre s'appelle « Mes recettes faciles et délicieuses » par Lunula Parker. Coach de vie et de bien-être, instructrice en Zumba et psychologue pour défaillants.
tout un programme. Attends, elle est géniale. Et pour commencer mon training, comme elle dit. Ah ouais, training quand même. Elle est américaine. Attends, son livre est best-seller, chroniqué par le New York Times. C'est pas rien. Et tu me fous sous le nez le bouquin d'une suprémaciste américaine. T'as oublié que j'ai du mal avec ce peuple? Elle t'appelle Bruno, la dame? Bruno, yes. C'est super sexy dans sa bouche. Mais elle fait quoi, la copine de ta suprémaciste? Elle cherche de nouveaux territoires à conquérir? Non, je crois pas. T'as dû la croiser? Elle a une Mini Cooper rose. C'est suspect si tu veux mon avis. Elle cherche un truc ici. Pourquoi pas Paris ou Lyon? Pour la cuisine et les défaillances, c'est quand même mieux, non? On s'en fout, non? Bah non, on s'en fout pas. Pas sous mon toit. C'est pas ton toit, c'est une coloc, Danae. On paye tous le même loyer. Sidonie, reste avec tes poissons rouges. On discute d'un truc qui ne te concerne pas. Encore un jour où tu veux avoir le pouvoir. L'idée, c'est que je participe au repas comme tu me l'as demandé. C'est vrai que dans mes anciennes colocs, je faisais surtout l'administratif. Donc, je ne fais pas de la cuisine. Là, c'est différent. Avec toi et Sidonie, c'est différent. On est potes et voilà, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu nous fais ce soir, hein? Et j'ai un trou. Et Sidonie, elle a pas trop la pêche en ce moment. Alors hop, j'attaque de front le problème. Et maintenant, j'ai une coach en cuisine. Et je compte bien participer au repas et vous chouchouter. Et ce soir, j'ai envie de préparer des pancakes. C'est facile les pancakes, non? Et puis, c'est bon. Ça te dit? Mais des pancakes, mais c'est tellement américain. Elle peut pas dire des crêpes comme tout le monde. Et puis, t'as oublié que je suis intolérante au gluten. Et si on veut pas de gluten, il faut faire des pancakes au sarrasin. Il faut faire la pâte la veille, sinon ça marche pas. Là, c'est trop tard, tu vois. Ah bon? La veille? Ah oui, c'est comme une organisation de faire le repas. Te l'as pas dit à Ludmilla? Attends, elle est géniale. Elle te plairait. Ça m'étonnerait. Elle m'a dit, tu ouvres les placards, le frigo, tu regardes avec le regard périphérique, relié au quatrième chakra, et surtout, tu laisses venir l'inspiration. Le plat que tu vas préparer va t'appeler, car il existe déjà quelque part sur un autre plan énergétique, dans une autre timeline. Elle appelle ça le cooking call. Cooking call. Le call, ça veut dire l'appel. Ouais, je sais. T'as ouvert les placards? Non. Tu sais où il est le quatrième chakra? Non. Je me suis dit que... Tu as pris le temps d'écouter ce que te disait le plat que tu veux préparer, mais tu ne sais même pas encore. Non, je me suis dit que... C'est pas grave. On va trouver. Pas de pancake. Ok, moi ça me va. J'ai décidé qu'on allait passer un bon moment. Elle n'a pas des petits plats mijotés bien franchouillards, ton américaine? Goûte Heidi, justement, ça fait très longtemps que j'ai envie de manger une blanquette de veau. Attends, je l'ai vu tout à l'heure. Là, blanquette de veau façon Texas. Regarde-moi cette photo. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là, je crains le pire. Ah ouais, ingrédients. Beurre. Mayonnaise, crème fraîche, sauce barbecue, ketchup de chez Parker et Parker. Ah, et de la viande de veau hachée entre deux tranches de pain de muséine. Tendu pour une blanquette. Ça fait penser à un truc, ça. De la viande hachée entre deux tranches de pain de muséine. Attends,
c'est le genre de personne qui brise les conventions. Bon, c'est marqué sur le frigo, mais tu l'as pas ouvert. Je suis intolérante au gluten, il y a du pain, et aux produits laitiers, et la crème fraîche. Comme ça vient du lait, c'est vachement apparenté à un produit laitier. Mais oui, je sais, quand même. C'est pas grave, on va trouver autre chose. Tout me va, un bon plat, bien français, sans produit laitier, sans gluten, on va trouver, il n'y a pas de raison. Alors, ah, voilà. Sans produit laitier, sans gluten, bien français, mijoté, on va se régaler. Cassoulet à la mode californienne. C'est quoi ce détournement de culture? Pas de produits laitiers, pas de gluten. Bah, regarde-moi cette photo. Qu'est-ce que c'est beau? Alors, on a pour 12 personnes une côte de porc. C'est vrai qu'ils sont gros les porcs en Californie. Hein? C'est les plus gros porcs du monde là-bas. Ouais. Donc, une côte de porc. Du charbon pour le barbecue, en effet, ça brise les conventions. Des boîtes de faillot à la pulpe de tomate, de chez Parker et Parker. Non, mais elle fournit des produits aussi, Caligula. Ah oui, je te l'ai pas dit. Si on veut, elle fournit tout. Et avec mes consultations, j'ai des remises de 3%. Ça vaut le coup. Non, écoute, c'est direct aux États-Unis. Écoute, non, mais c'est sympa. Bruno, tu essayes de faire plaisir, c'est vraiment sympa, et je suis presque touchée, mais là, tu vois, même avec la jolie photo, ça me donne pas vraiment envie. Et puis, les faillots le soir, c'est marqué sur le frigo, Danae, 2 points, pas de légumineuses le soir. T'as pas eu l'information directe dans le 4e chakra? J'ai pas ouvert le frigo, j'ai pas ouvert le 4e chakra, je t'ai dit. Bon, d'accord, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Ma mère arrivait à nous préparer un festin avec 2 bouts de ficelle. Si c'est génétique, je vais vraiment sortir. Parfois, la génétique, ça met du temps. À force de tourner les pages, en plus, je sens que je m'améliore en cuisine. Elle est balèze, ton américaine, dit. Elle est géniale. Sans gluten, il y a écrit. Sans produits laitiers non plus. Ah ouais? Elle est jolie, la photo. Non? Non? Qu'est-ce que c'est? Los Angeles, Moussaka. Ça claque! On va se régaler. Alors, oh, surprise! On a du bœuf haché cuit au barbecue. On a des aubergines à la pulpe de tomate de l'Arizona. On a de la salade en sachet. Et tout ça entre 2 galettes de riz bio de chez Parker et Parker. Je vais pas y arriver, Bruno, je vais pas y arriver là. C'est trop. T'es sur le coup, c'est sympa, vraiment, mais là, non, tu t'es juste fait embobiner par cette créature impérialiste qui veut te refourguer sa cam OGM. Ah non, non, ce n'est pas une créature impérialiste. Elle est géniale. Et puis, je fais tout pour que ça soit détendu dans cette baraque. Je veux bien évoluer, tu vois, écouter tes retours, tes critiques, tu vois, mais si je suis seul à faire des compromis, ça va être dur, tu vois. Si je suis la seule à faire des compromis, ça va être dur. Tu as dit quand t'en avais ta claque de cuisiner. De toute manière, elle ne cuisine que pour elle. Sidonie, elle est en boule, dans sa chambre, depuis qu'elle a reçu une lettre de sa sœur. Alors comment je fais, moi? Comment on fait pour que ça ressemble un petit peu à une famille, hein? Je vous emmerde. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Un hachis parmentier entre 2 tranches de pain de mie, des pancakes au barbecue, un pot-au-feu au barbecue, des escargots sauce barbecue, moi, je m'en fous. Moi, je vais aller dîner chez Paulette. Elle m'a finalement invitée alors qu'on était en froid. Elle veut me faire tester un nouveau cheesecake, elle m'a dit. Moi, je vais me régaler. Mais donnez, attends, il y a des produits laitiers, du gluten dans les cheesecakes. Je t'emmerde. Amélia. Alexandre et Camille.
Tu vas faire le maquillage. Maquillage. Le maquillage. Je me bouge maintenant. Vous avez raison, les poissons. Je suis toujours enfermée dans ma chambre. Il faut que je sorte. Que je vois le monde. J'ai deux poissons rouges. Ils s'appellent Plif et Plouf. Il y a 17 jours, quand j'ai reçu une lettre de ma sœur, je me suis dit ça. Bouger, sortir. Elle habite au Kenya. Me demander de la rejoindre, partir, voyager, découvrir. Cette envie un peu folle est montée en moi. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, c'est pas mon genre. Je suis plutôt casanière. Pour tout avouer, je suis un peu lente à la détente dans ma vie de tous les jours. Mais c'est parce que je pense que les histoires importantes devraient être réfléchies très longuement. Je ne laisse rien au hasard dans ma vie. Alors, depuis 17 jours, je suis toujours là. Je n'ai pas bougé. Par contre, j'ai testé du mieux que j'ai pu l'idée de partir. L'idée, juste ça. J'ai sorti une valise du placard de ma chambre, sous l'œil attentif de Plif et Plouf. Immédiatement, ma gorge s'est serrée. Sortir, affronter le monde, les gens, les bruits, peut-être prendre l'avion ou le bateau. L'idée de couler au fond des flots s'est imposée à moi. Mais puis c'est tout mon sourire. Ça m'a donné du courage. J'ai posé la valise sur la petite table de ma chambre. Et je l'ai ouverte. C'est déjà très fort comme geste. Très très fort. Mon nez m'a piqué. Mes pupilles se sont comme dilatées. J'ai senti la sueur couler sous mes bras. Alors je l'ai refermé. Je suis tellement sensible aux gestes forts. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille pas à pas. Voyager, c'est pas rien, vous allez voir. Les sens sont stimulés. Alors, commencer avec des choses concrètes et accessibles pour habituer les sens, pour m'habituer à l'idée de partir, je me suis dit que ce serait une bonne chose. Je me suis dit ça.
Je me suis donc décongelée les nems sans gluten de Danaé que j'ai mangé en buvant la tequila que Bruno nous a ramenée pour bien me dépayser. Nems et tequila. C'était un geste fort. Déjà ça, ça m'a donné des palpitations. J'ai vu des Mexicains m'attaquer avec des cris barbares et des Vietnamiens me faire des prises de karaté pour me voler mes tickets restaurants. C'était pas facile, mais je sais être obstinée. Alors, le lendemain, j'ai continué mon immersion préventive en allant chercher dans une vieille boîte à chaussures les cartes postales que je reçois régulièrement de ma sœur du Kenya. Je les ai bien regardées une à une en mangeant des harengs de chez Ikea. Je suis pour les extrêmes, voyez-vous, mais à ma façon. C'était une expérience tout à fait troublante. La Suède et le Kenya dans le même mouvement de mâchoire. Mais j'ai tenu bon. Et j'ai senti mon cœur se calmer peu à peu pendant que je mâchais. J'étais fière de moi. Alors pour fêter ça, et parce que j'avais envie de partager avec quelqu'un, je me suis dit que j'allais écrire une carte à ma sœur. Je crois que je ne lui ai jamais écrit de carte depuis qu'elle est partie. J'espère que tu vas bien. Moi, oui. Non, ça ne fait pas. J'espère que tu vas bien. Moi, oui. Et j'ai mis dans la veste. Je me suis dit que cela allait agir comme une motivation, une sorte de détonateur. Un acte, comment on dit déjà ? Un acte psychomagique. Voyager, c'est bien, mais il faut un but, n'est-ce pas ? Aller lui apporter cette lettre, faire moi-même le facteur, cette idée a surgi dans mon cerveau et j'ai trouvé ça bienvenu, motivant. Un peu fou, même. J'ai vu le sourire de ma sœur. Sa surprise, quand elle m'aurait vu débarquer dans sa ferme africaine. Je serais descendue du 4x4 que j'aurais loué à l'aéroport, avec mon joli foulard noué autour d'un casque colonial. Mes mitaines en cuir, façon amicalement vôtre, légèrement salie par la poussière de la piste. Et des lunettes de soleil, façon brasquée. Elle m'aurait aperçue depuis la coursive de sa maison, se serait levée lentement, puis j'aurais ôté le foulard autour de mon casque qui se serait envolé, libérant les cheveux tenus en chignon. J'aurais agité la main avec le foulard, en riant, j'aurais dit « Je viens t'apporter ton courrier ». Elle aurait couru vers moi en disant « Serette, Serette ». Elle m'aurait serré dans ses bras en me disant « Toi, toi tu es vraiment incroyable, toujours aussi... » imprévisible, toujours aventurière. Et puis j'ai pensé aux moustiques, à la fièvre jaune, à la malaria, aux fauves, aux crocodiles et aux phacochères. J'ai cherché un soutien auprès de Plif et Plouf, qui me tournait ostensiblement le dos, et je me suis fait un torticolis. Clac, comme ça. Alors, je suis allée me chercher quelque chose de froid au congélateur pour me soulager le cou. J'y ai trouvé un hamburger Parker en Parker et une bouteille de vodka. C'était pas mal, finalement, cette façon de faire le tour du monde. Vietnam-Mexique, Suède-Kenya, États-Unis-Russie. J'étais guérie, je crois. Je crois. Alors, j'ai dit bye bye à Plif et Plouf en les vidant dans les toilettes pour qu'eux aussi ils voient du pays. C'était un geste fort.
Salut Didier! T'étais pas à l'entraînement hier? Non, non. Et toi, tu te balades, Tutu? Non, je zone. Et toi? Moi, je me pose. Je suis chez moi. Ma femme est en pleine crise. Elle a rencontré une coach américaine géniale. J'en ai vu. Et avec mon fils, elle nous fait chier toute la journée avec ça. C'est un enfer. Tu l'as toujours? Mon fils? Ah non, ta femme. Ah, c'est lui. Oui, oui, je l'ai toujours. Depuis 16 ans. Comme une vieille plaie. Tu veux que je t'apprenne à jouer au poker? Pour te changer les idées? Non, je sais déjà jouer. Ouais, mais tu joues bien? Je me débrouille, ça me suffit. Et là, j'ai pas envie de jouer. T'aimes pas jouer? Si, j'aime bien jouer. Mais là, non. Là, j'ai envie qu'on me fiche la paix. En général, je veux dire, t'aimes pas jouer, c'est juste le poker. Si, en général, j'aime bien jouer. Mais là, non. Là, j'ai envie de profiter de ce moment de calme sans faire autre chose que d'être au soleil. Et sans personne qui me harcèle, tu vois. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh bien, tu n'as pas envie d'être tranquille pour une fois, ou bien de continuer ta zone ailleurs? J'ai fini mon tour de zone. On pourrait faire quelque chose, non? T'as pas envie? Allez, t'as gagné. Tiens, raconte-moi une histoire drôle. On sait jamais, ça va peut-être illuminer ma journée. Tu vois, j'ai déjà gagné. Tu t'es soumis. Si on allait jouer au poker, je t'aurais mis une de ces raclées. Tu me racontes une histoire drôle? Ouais, justement. J'en ai une super, je l'ai inventée hier. C'est le bon Dieu qui joue au ping-pong avec Tarzan et une souris. Il joue au ping-pong à trois? Oui. Attends, tu vas voir, la chute est tordue. À un moment, le bon Dieu fait un smash hyper puissant. Et Tarzan perd le point. Alors la souris dit... Attends, je me suis trompé. Je recommence. Mais est-ce que t'es sûr qu'il joue à trois? Oui. Non. C'est pas au ping-pong qu'il joue, c'est au badminton. Je confonds toujours les deux. Alors il joue comme ça, et à un moment, le bon Dieu fait un smash hyper puissant. Eh ben comme au ping-pong alors. Ouais, mais c'est badminton, c'est pas tout à fait pareil. Et par exemple, il fait équipe avec la souris. Et au moment d'aller ramasser le truc, comment ça s'appelle déjà la balle au badminton? Le volant. Ouais, le volant. Alors la souris, elle dit, je voyais pas ça comme ça. Un volant? Comme dans une voiture? Ah mais alors moi j'arrête de jouer, hein. J'ai pas mon permis. elle est bonne. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai pas compris. Je t'ai bien eu, hein. Je bluffe bien. Je vais jouer au poker. C'est un jeu de mots. J'ai bien compris que c'était un jeu de mots. Je trouve ça un peu moyen. C'est là que c'est drôle. Et pour une souris, ça prête en confusion. Et comme elle a pas son permis. Ça prête à confusion, on dit. Ouais, si tu en veux. Confusion, si tu veux. C'est pas si je veux, c'est comme ça que ça se dit. Ça prête à confusion. C'est comme par exemple, tu me dis pas il m'a enduit d'erreur. Tu dis il m'a induit en erreur. On dit en alors? Il m'a induit en erreur. Mais tu m'as dit qu'on mettait A mais pas en. Mais c'était pour l'autre expression. Tu as dit ça prête en confusion. Et là avec en c'est faux. Mais par contre, on dit en pour l'erreur. Hé, je t'ai bien eu. Hé, je bluffe bien. Hé, je suis trop fort. Si on devait jouer au poker, je t'aurais mis une de serre. Ouais, je dois dire que tu es très très fort. Tu devrais en faire ton métier. J'ai pensé, figure-toi. Mais le poker, il n'y a que de la raque. Je crois que je préfère les échecs. Ouais, c'est plus classe. C'est plus classe. Tu joues aux échecs? Non. Oui. Un peu, mais pas très bien. Tu veux que je t'apprenne? Il y a deux choses à savoir, Patrice. C'est un Indien qui m'a appris ça. Tu sais comment ils sont mathématiciens là-bas. J'en ai rencontré un. C'était un maître. T'as été aux zones, toi? T'as jamais bougé d'ici? Non. Le resto de la rue Pommette, le Royal Shiva, et le cuistot. Tu sais qu'ils mettent des vaches qui rient dans la nalle? Ah, la vache qui rient.
Attends, il y a un turban sur la tête, le cuisseau du royal Shima. C'est pas pratique à dépioter, ça. C'est un vrai, cet enfer. Oh, quand j'étais gamin, c'était un enfer. Je vais t'apprendre des deux trucs à savoir, justement, parce que ça t'intéresse. Il me faut juste un papier et un crayon. Tu as ça? Écoute, non, on va arrêter là, comme je te disais. Tu vois, j'ai juste envie de profiter de ce moment de calme pour une fois dans ma chienne de vie. Ok? Et les échecs, c'est pas ma passion, tu sais. Bah, je dis qu'en général, tu mets bien les jeux. Oui, c'est vrai. En général, j'aime bien jouer. En général, j'aime bien aussi les bonnes histoires drôles. Et en général, j'aime bien aussi passer une heure ou deux à ne rien faire sur un banc, seul, dans un spa. Mais des fois, ces choses-là, on peut pas les faire. Juste parce que c'est pas le bon moment. Ou bien on peut pas les faire parce qu'on est dérangé. Je te comprends. Il n'y a rien de pire que d'être dérangé quand on fait quelque chose que l'on aime bien faire. Moi, par exemple, un truc que j'adore faire sans qu'on me dérange, c'est du macramé. Ah bon ? Ouais. Ben, c'est passionnant. Ouais. T'as pas un œuf? Non, j'ai pas d'œuf sur moi. Parce qu'on m'a appris un tour de magie avec un œuf, j'aurais bien aimé te le montrer. T'as pas un œuf? J'ai pas d'œuf. Et même un œuf dur, ça marche! T'as pas un œuf? J'ai pas d'œuf, même dur. C'est pas grave. Je te le mime, c'est époustouflant. C'est bien fait, hein. Ça m'a donné faim. Tu veux une glace au chocolat? Non, Valentine, non. À la vanille? Non, tutu. Au citron, il y a le glacier italien qui ouvre dans 5 minutes. Si tu veux, je vais en chercher. Vraiment, non, mais vas-y, vas-y. Non, je reste avec toi. C'est triste de manger une glace tout seul. Écoute, ne te gêne surtout pas pour moi, va te faire plaisir. Moi, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Non, sans façon. Hey. Manger une glace tout seul, c'est comme jouer au poker tout seul. C'est sans saveur. Ou aux échecs, d'ailleurs. Jouer aux échecs tout seul. Il y en a qui y arrivent. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça très beau. Ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est le charisme. La présence. Et observer son adversaire. Le connaître. Le comprendre. On peut gagner une partie juste par l'intimidation. L'attitude est très importante. Tu connais le body language? Là, toi, par exemple. Ça se voit que t'es bon, pas... Bon, j'y vais. Et on va où? Toi, je sais pas. Moi, j'y vais. J'y vais. Tu fais la gueule? Non, 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 j'ai pas envie de jouer au poker, ni les échecs, ni d'apprendre un tour de magie. J'ai juste envie de profiter de ce moment de calme en silence. J'ai besoin de paix et de repos en ce moment. Mais vous êtes ligués pour m'emmerder tous là? Sylvie, elle me les brise depuis des années. Maintenant, sa coach, et toi qui déboules me prendre la tête avec tes conneries. Mais putain, j'ai besoin qu'on me lâche! Qu'est-ce que je fais quand je suis un peu déprimé comme toi? Hein? Hey, je vais me payer une petite glace. Allez, viens, si, j'insiste. Ça va te faire du bien. Hey, tu sais, tu peux compter sur moi. Je sais ce que c'est que de pas avoir le moral. Et comme disait toujours ma grand-mère, une bonne bataille navale, ça vous requinque un soulard. Alors, on va aller chez toi et on va faire un jeu avec ta femme et ton gamin. Thank you.
No? Béa, ma chérie, moi, je te dis, tu devrais faire en sorte que Bertrand te respecte. Ça fait maintenant quoi, 12 ans que vous êtes mariés, depuis que je te connais, ma petite Béa, et on se connaît depuis plus de 20 ans, hein? Depuis que je te connais, tu as toujours eu du mal à prendre ta place. C'est ton problème, tu le sais bien. Et ce n'est pas en courant chez les cartons anciennes comme tu le fais que ça va s'arranger. Hein? Mais Sylvie, j'y arrive un peu mieux, tu sais. Un peu mieux. Tu vas encore me raconter comment tu as réussi à faire en sorte que Bertrand ne prenne pas toute la couette quand vous vous couchez. Belle victoire, ça, ma chérie. Non, 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 non. C'est ailleurs que ça se passe. Moi, tu vois, avec Didier, je ne me suis jamais laissée faire. Dès le début, crac, je l'ai mis au pli. Tu m'aimes, mon bonhomme, mais moi aussi. Mais il y a des limites. Au pli, je l'ai mis. Moi, je te dis, le temps est à la rébellion. Il faut que tu reprennes ton pouvoir. C'est même important pour lui, tu sais. Pour Bertrand? Mais oui, c'est important pour lui. Un homme, c'est comme un enfant. Il cherche les limites. Il n'attend que ça que tu lui dises. Espèce d'abruti, je te dis non. Facile. Tu sais que Bertrand peut se mettre en colère. En colère, Bertrand, me fais pas rigoler. Je le connais comme ma poche, Bertrand. Je te rappelle que je suis sa sœur, quand même. Ah, quand on était enfant, il en piquait des colères, mais des colères de pacotille. Et Bertrand, il... faisait pas le malin quand j'étais dans les parages, crois-moi. Non, moi je te dis, si j'étais toi, je reprenais tout depuis le début. Mais Sylvie, je fais mon... Où as-tu échoué, Béa? Te poses-tu la question? Oui, je me la pose tous les jours. Moi, je te le dis comme je le pense, et je pense que tu te poses trop de questions et que tu ne cherches pas assez la réponse. Oh, je t'ai parlé de la coach que je vais voir, Ludmilla Parker. Elle est géniale. C'est une méthode américaine qui a fait ses preuves. Même les présidents des États-Unis l'utilisent. Et qui sont les maîtres du monde, hein? C'est pas Béa, ça, c'est sûr. Le monde serait beau. Tiens, hop, prends son numéro et appelle-la de ma part. Tu vas voir, elle est géniale. Oh là! Oh, j'ai complètement oublié l'heure. Je dois aller chercher mon fils à la piscine, sinon il va encore me piquer une crise. Oh, il me rendra folle, Gaspard, ce gamin. Bon, je te laisse. Tu pourras régler. J'ai oublié mon porte-monnaie. Hein? Tu appelles Ludmilla de ma part. Hein? Tu vas voir. Moi, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette femme. Elle est belle, elle est solaire et elle me fait un bien fou. J'ai soif, mais qu'est-ce qu'il fait le serveur? Tiens, bien, ma chérie, tu pourrais l'appeler. Je,
Je suis claquée, j'ai repris le sport. Ah oui? Oui, Ludmila donne des cours de Zumba. Tiens, donne-moi ton verre. Tu en commanderas un ensuite, non? Ben, tu peux bien faire ça pour ta vieille copine, quand même. Ah. Bon, ma petite Béa, tu te laisses trop faire. Vraiment, c'est ton problème. Alors, Ludmila, raconte. Alors? Elle m'a donné ce cahier que je dois remplir avec mes... Elle est top, non? Moi, elle m'a fait un bien dès la première séance. Mais tu connais mon problème, enfin. Mon problème, c'est surtout le problème de Didier que je résous à sa place. Il n'a jamais réussi à être un homme, alors un père. Et bon... En rentrant à la maison, je le vois encore fouiller dans les placards. Et là, j'ai dit, là, c'est fini. Là, je lui ai dit, là, tu te... Mais Béa, ma chérie, tu m'écoutes. Oh, ma Béa. Tu te mets dans ces états. Moi, je te dis, les premières séances sont toujours troublantes. Mais il faut que tu t'accroches, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et il faut que tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds comme ça. Il faut que tu reprennes ton pouvoir. Tu peux tout me dire, tu sais, moi je te dis tout. Oh là là, 6h30, je dois aller chercher mon fils chez l'orthophoniste. Bon, ne te fais pas de mouron, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. On se voit bientôt, ma petite Béa. Béa, ma chérie, pourquoi tu me donnes toujours rendez-vous ici? Je commence à détester cet endroit. La prochaine fois, bonjour, Sylvie. Moi, j'aime bien cet endroit. Moi, il me plaît. Moi. Ça va, t'as l'air bizarre, hein? Ça va très bien. Merci de me le demander. Je te remercie. Je n'ai pas l'air bizarre. Je vais très bien. Bon, on boit quelque chose. Ah, tu veux quoi? Les fraises comme d'habitude? Non. Je vais prendre du champagne. J'adore le champagne. Et chacune paye sa consommation. Eh ben, c'est Ludmila qui te fait cet effet. Oh, je t'ai pas encore raconté la dernière de Gaspard. Non, mais vraiment, il me rendra folle, ce gamin. Il s'est déguisé en femme avec mes vêtements et il se pavanait au milieu du salon, en robe et en talons, et il n'arrêtait pas de dire « Moi ?» Moi? Moi? Non mais vraiment, je crois que je vais l'amener chez Ludmila aussi, hein? Oh, t'as de la chance, toi, de ne pas avoir d'enfant. Je sais, tu ne l'as pas voulu. Et oui, l'ablation de l'utérus t'a beaucoup fragilisé. Mais quand même, tu sais, Ludmila m'a demandé de te dire quelque chose. Elle a pensé à moi. C'est quoi son message? Thank you.
Et nous allons découvrir ensemble le son que le public a attribué à nos deux buzzers pour aujourd'hui. Alors nous avons... Niark. Et nous avons... Aïe. Parfait, testez vos buzzers. Niark. 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 Comme c'est complexe, ça rend tellement rigolo. Je peux vous appeler Margot? Avant de commencer, je vais vous demander une petite présentation. Eh bien, je m'appelle Marlène, ou Marlou pour les intimes. Et je suis avocate en droit des affaires. Je suis ici grâce à ma coach, Ludmilla Parker, car je suis suivie pour des problèmes de dépression. Et je pense qu'elle pourrait inspirer les gens qui sont ici pour... Bien, très intuitif. On a tous des petits problèmes, on ne va pas en faire toute une histoire. Laissons plutôt parler Jean-Michel, c'est à vous, décrivez-vous en quelques mots. Garabou! Jean-Michel, colonel retraité, moultes fois décoré, loyaux service à la patrie, collectionne cage de hamster et hochet pour enfants, champion de mastermind et de quiz dès 8 ans, volonté ultime, tout gagné! J'adore déjà nos deux concours. Nous allons donc pouvoir initier vous, chapeau de roue, avec la première question. Je vous rappelle la thématique du jour, les humoristes français. Mettez-vous en place, main sur les buzzers, on va commencer. Tenez-vous prêts. Top, le 2 août 1955 à Montbrison, je suis blonde et j'ai les cheveux frisés. Myriam Robin. Parfait. On continue. Top, né le 9 mai 1939 à Pantin, je deviens chroniqueur au Petit Rapporteur, puis j'anime avec Thierry Bien les preuves. Bien Citoyen, on a un sketch, un hommage à Pierre Desproges, et on aimerait bien profiter d'être à la télé pour le faire. Quelle audace, insolence, grossièreté. Que faisons-nous dans ce cas de mutinerie, Jean-Michel? Punition? Torture? On aimerait bien chaud, on aimerait bien le faire, ce sketch. Ah non, mais si ça commence comme ça, je vais pouvoir continuer, hein. On m'avait dit que ce serait cadré, délicat, que j'aurais ma place, et là... Ne vous inquiétez pas, je maîtrise totalement la situation. Les deux joueurs reprennent leur place. Asseyez-vous. Et on continue avec... Top, je suis un trio d'humoristes français célèbre des années 90. J'accède à la notoriété avec l'émission La Télé des Inconnus. Je suis... Il y en a des... La télé des... Les Inconnus.
Et un point pour Jean-Michel. Il faut être rapide, sinon schlack, le militaire, il vous rate des points section et juste. Félicitez-les. Je vous voulais de l'ordre, eh bien jamais. Top, en 1938, je fonde avec Francis Blanche un journal humoristique dit organe officiel des loufoques. Je suis... Ah ça je sais, Pierre Dac, Le buzzer, Marlon le buzzer. Aïe. Pierre Dac. Gagné. Mais il m'a volé ma réponse. Eh bien vous voulez de l'ordre, eh bien jamais ma petite sirène. Mais calmez-vous, détendez-vous. Sinon, vous allez louper le... Top, je me suis fait connaître au Jamel Comedy Club et j'ai remporté deux fois le Molière de l'humour. J'excelle dans les One Woman Show. Jack Blanchardin. Eh bien c'est très bien ça, on continue. Top, je suis connu pour mes jeux de mots, mes paradoxes cocasses et surréalistes et j'ai un gros bidon. Aïe, Raymond Devos. Super, on continue. Top, j'anime tous les soirs une émission hilarante où je joue le rôle du bouffon national sans me rendre compte. Je me cours autour de moi. Aïe, c'est Réal Omar. C'est parfait, et on continue. Top, sur Canal Plus, ils se sont rendus célèbres avec des sketchs courts et surréalistes. Là, les nus. Ah non, loupé. Foiré, gna. Aïe, de bonnes gars là. Eh non, encore raté. C'est des chiens. C'est pas à vous de jouer, de réagir, ni de participer. Reprenez-vous. Vous êtes licenciés. Chargez. La production. En papier. Et ouf, on n'abandonne pas la scène comme ça. La caméra tourne encore. On n'en profiterait pas pour faire l'hommage à Pierre Desproges? Ouais. Tu t'en souviens? Oui. Non. Au départ? Ouais. T'es prête? Ouais. Non, mais je ne fais pas ça. Il y a un truc dans la vie, on n'est pas du tout d'accord avec. Mais alors, pas du tout. C'est les trucs qui font chier. On en est prisonnier et ça ne nous va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et ces trucs, ils s'incrustent dans tous les petits moments du quotidien. Vous voulez qu'on vous fasse un récapitulatif? Eh bien, allons-y, sans problème. Ça ne nous dérange pas, bien au contraire. La vache qui rit, pour commencer. Vous avez déjà essayé d'ouvrir une vache qui rit sans vous en foutre partout? C'est impossible! Impossible! On n'a pas tous des parents psychomotriciens! Faudrait le dire aux ingénieurs pervers qui ont conçu la chose! Rendez-vous compte! Il faut enlever le papier d'aluminium en faisant tourner une ficelle rouge pour sortir, si possible, intact le fromage! Alors là, non! C'est traumatisant ça! Qui a eu l'idée de mettre des nœuds coulants autour des vaches qui rient? C'est pas des gros pervers, ça, hein? La pointe du triangle! On avait tous envie qu'elle ne soit pas abîmée quand on était petit. Le challenge horrible. Faut pas s'étonner ensuite que la défaite soit inscrite dans nos cellules. C'est profondément injuste! Donc, primo, les trucs qui font chier, la vache qui rit. Deuxio, les boîtes de conserve de sardines à l'huile. Oui, on reste dans l'alimentaire. Et alors? Ça dérange quelqu'un? Bon. Alors avant, il y avait cet outil de psychopathe. La clé pour ouvrir la boîte de sardines. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Mais de toute façon, les plus jeunes n'ont plus de cerveau! Plus de mémoire, plus rien! Tout ça à cause des réseaux sociaux et des selfies. Bon, c'est pas le sujet. Encore qu'on pourrait s'énerver là-dessus si on voulait, hein? Ouais! Si on voulait! On veut? Pas maintenant. Ok. On recule? Ouais, chouchou patate. On disait quoi? Les boîtes de conserve de sardines à l'huile. La plupart du temps remplies à ras-bord d'huile, évidemment. Alors t'es là. Tu plaques ta boîte. Et tu te dis...
clé débile, il va falloir que je torde du fer. Forcément, le palpitant à fond la caisse et les mains moites, tu as faim, tu es comme un animal. Tu sais que tu vas devoir te payer un corps à corps avec une boîte de sardines et une clé de merde. Difficile d'être serein, je te le dis, hein. Et les mains moites n'arrangent rien. Forcément, comme tu es affamé, tu ne penses pas à tout. Tu ne penses pas à l'huile qui va gicler sur ton t-shirt. Tu ne penses pas au couvercle qui va inévitablement te couper la main. Et pourquoi t'y penses pas? Dis! Pourquoi t'y penses pas? Parce que c'est pas ton boulot! C'est aux ingénieurs de penser à ça! Mais eux là, ils s'en foutent! Ils sont au resto à bouffer des langoustes et des huîtres! Tandis que ton festin à toi, c'est des sardines! Et de la vache qui rit! Et on espère qu'ils se font mal avec la pince à péter les homards! Ou avec un bouchon de champagne qui leur perfore un œil, ouais! Ouais! C'est tout ce qu'on leur souhaite! Et finalement, tu te retrouves comme un con à attaquer une boîte de raviolis avec un marteau et un bureau parce que les sardines ont giclé! Alors, que les ingénieurs ils sont au resto! À bouffer des cannelloni avec des spatules à cannelloni! Faites pour ça! On se calme? Ouais, on redescend un peu. Non, Alors, hein? Tous ces trucs que l'humanité se trimballe, on n'est pas du tout d'accord? Mais alors là, pas du tout. Solution? Dépenser des sous en allant voir... des psychologues et des psychiatres. Bref, les ingénieurs du cerveau, la même famille que les autres pervers au resto. C'est dégueulasse. Ouais, je suis une copatate. Ah, j'ai vu, oui. Alors nous, on va pas voir des psychologues. Ni des psychiatres. On va voir une coach américaine. Lumila Parker. Elle est géniale. Elle nous apprend à nous affirmer. Vous allez voir. Tiens, mais toi, personnage. Alors, on attend au moins les bras. Hein. J'aime beaucoup ce que je fais. Beaucoup. Je dois dire que si je rencontrais quelqu'un qui soit moi, mais dans un autre corps, je tomberais immédiatement amoureux de lui. Et ceci, indépendamment de son physique. Comment ne pas craquer? Vous avez vu ce corps? Cette démarche? Ces muscles de félin, souples et élancés? Tout ça respire la confiance et la maîtrise de soi. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. C'est même assez récent. Avant, j'étais beaucoup plus timide et introverti. Un peu comme ça. Tout ça que vous voyez. Ce physique indomptable, cette intelligence brillante, hors norme, je le dois à Ludmila. Une femme incroyable, magnifique, une coach américaine. Une accoucheuse d'êtres humains. Ludmila, merci. Merci, parce que grâce à toi... Je m'aime, je m'adore. Je me délecte de moi-même. Je jouis de ma présence. Et toute la journée, j'ai envie de chanter une ode très simple. Et pourtant... deux syllabes intimes, magnifiques. Et qui m'appartiennent en exclusivité. Moi, je. Et vous entendez la douce musique de ces syllabes qui n'appartiennent qu'à moi. Moi, je. Moi, je. Mais quelle beauté, quelle splendeur que ce grand verre. L'être incommensurable que je suis. Ludmila me l'a dit.
Elle est géniale. Je suis... Je suis le tout qui s'exprime dans la beauté de son un unique et personnifié en moi, je. Je suis le tout qui s'exprime dans la beauté de son un unique et personnifié en moi, je. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Je suis en toute humilité le nombril du monde. L'axe autour duquel tout prend enfin son sens. Je suis la source. La vibration primordiale. La signification du tout et du rien. L'ultime magnificence. L'incroyable miroir de Dieu. Et encore plus, à l'ombre de moi-même, les autres évoluent comme des satellites de l'immensité solaire que je suis. Il danse sur ma musique, rit de mon rire. Éternue quand j'ai un rhume. Disparaissent et réapparaissent au gré de ma volonté. Mais les pauvres, ils ne sont rien, les autres, rien. Néant. Nada. Capuit. Zoblium. Poussière. Vide. Zéro. Désert. Fumée. Il ne peut être même pas de l'ombril. En tant que centre solaire. De l'insaisissable lumière purificatrice. Du moi, je éternel. Je me dois de les aider, de les conduire vers eux-mêmes. Afin qu'eux aussi ils deviennent. Afin qu'ils deviennent eux aussi. Dites-moi, comment est-ce possible? Comment être unique au milieu d'autres qui seront aussi uniques que mon unicité singulière à moi? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces moi-je? Comment va-t-on cohabiter? Merci de pas l'idée d'aider tous ces pauvres gens. Qu'est-ce que je vais devenir?
Et dimanche. C'était tellement drôle. Oh, oui. Jean Stanley avec ses petits bras qui s'est gratté entre les omoplates. Et ce grand ego de Steve, tombé la face la première dans son assiette de cheesecake améliorée, juste après la première bouchée. Et cette fin beige de Ludmilla qui s'est précipitée pour lui faire du bouche à bouche. Mais c'était inespéré. Elle faisait semblant de pleurer tout en appelant les pompiers. Ah oui, c'est incroyable qu'elle ait été là, cette américaine. Mais comment a-t-elle été invitée? Vous étiez au courant? Non, c'est ma fille. Elle allait la consulter régulièrement, m'a-t-elle dit, pour Jean Stanley, le petit ange. Il paraît que cette Ludmilla était aussi psychologue, figurez-vous. Mais Bolette, vous parlez déjà au passé. Elle n'est pas encore décédée, vous savez. J'ai totalement confiance dans mon produit. Je l'avais testé 2 jours avant, et à moindre dose, sur ma voisine Danae. C'est pourtant du genre robuste. Ah oui, je l'aime bien, elle. Eh bien, vu l'état dans lequel ça l'a mis, je suis sûr que cette Ludmilla qui est maigre comme un clou, juste un bouche à bouche plein de glaçage, ça va suffire. Vous êtes sûr, mais finalement, on n'en sait rien. Certes, 5 jours après, elle est toujours dans le coma. Diagnostic vital engagé, quand même. C'est pas faux, mais pour autant, elle n'est pas encore décédée. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Chantal. Ah, je m'emporte. Merci de me ramener à la raison. Ah, c'est normal, Plette. Nous faisons équipe depuis si longtemps. Peut-être, finalement, on pourrait la finir au tisonnier. Il paraît qu'avec toutes ces économies qu'ils font à l'assistance publique, elle est chez elle dans le coma, et pas dans une chambre d'hôpital. On pourrait s'introduire avec des costumes d'infirmière. Oh, des déguisements, et quelle riche idée. Mais je pense que le tisonnier est trop salissant. On pourrait juste lui mettre un peu de produit dans une des perfusions. Vous l'étouffez comme un petit lapin. Finalement, laissons une chance à la popote qu'elle a ingurgité par le bouche à bouche. Oui. Vous savez, comme j'ai toujours tendance à m'emporter pour les finalisations. Vous avez raison. Et moi, je vous suis. Patientons. Vous allez hésiter comme des puces. Il est important de tester le produit. Au pire, avec un peu de chance, elle restera un légume et elle ne nous embêtera plus. Quel bel engin vous avez là. Oh. Regardez, Chantal. Et une pie qui mange un mulot. C'est adorable. Chantal. Ça va pas bien. J'ai un but subi. Quoi donc, ma chère? Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'elle sera décédée? Mais déjà, on aura la paix. Et puis, on trouvera quelqu'un d'autre. On trouve toujours. Oui, mais si on ne trouve plus personne, plus jamais. Regardez, on a déjà bien dégagé le paysage autour de nous. Je pense qu'on devrait revoir nos plans pour cette Ludmilla et la laisser vivre. Vraiment, vous n'y pensez pas. Ça n'a aucun sens. Elle représente tout ce que nous détestons. Si, Paulette, la laisser vivre et la remettre sur pied. Non, ça n'a aucun sens. Si, au contraire.
pense qu'arrivé là où nous en sommes, Paulette, au sommet de notre art, nous devons faire évoluer notre geste, comme les samouraïs. Pensez à la symphonie inachevée, pensez au perpétuel recommencement. Nous avons bien souvent donné la mort de façon juste et déterminée. Donnons la vie, ressuscitons-la. Pas longtemps, juste qu'elle se requinque un peu. Et puis, hop, un bon coup de tisane à la genou. Chantal, vous êtes vraiment le cerveau de notre équipe. Oh, c'est pas faux. Et bonjour Chantal, bonjour Paulette. Oh, Titu, ça fait plaisir de vous voir. Oui, Titu. Justement. Oui. On allait prendre une glace chez l'Italien. Ah, oui, Titu. Vous voulez venir avec nous? Avec grand plaisir. Titu, venez avec nous. Paulette nous a préparé un mélange de noisettes au caramel. Je suis sûr que vous avez adoré. Avec grand plaisir. Et dites-moi, vous connaissez la blague? Le bon Dieu qui joue au ping-pong. Non. Bravo! 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 Merci. De l'atelier théâtre des Polissons
On a travaillé d'arrache-pied depuis le mois de janvier avec peu de séances, mais ils ont bossé comme des fous. Il n'y a pas mieux des gens qui sont des comédiens qui avaient déjà une solide expérience du plateau, d'autres qui sont complètement débutants. Il est impossible, mesdames et messieurs, de savoir lesquels sont quels. Ils sont